Voilà un bel exemple d'une main droite et d'une posture globale générale dont on va aborder par la suite. Regardez ce qui se passe au niveau de l'avant-bras droit. Une tendance à la pronation un peu exagérée. La conséquence directe, c'est que le pouce, que l'on ne voit pas sur la main droite, a tendance à se fermer. Et que la voûte a tendance à s'effondrer. On le voit très nettement au niveau de l'annulaire de la main droite, qui est en légère rotation externe, on va dire, c'est retourné vers l'extérieur, mais surtout en extension complète. Je ne parle pas du petit doigt de la main droite également, qui est, même lorsqu'il ne joue pas, souvent en extension, pour contrecarrer l'effondrement de la voûte qui n'est pas maintenu par l'extenseur du poignet. Alors tout ça est peut-être un petit peu complexe si c'est la première fois que tu regardes ces vidéos, mais c'est une logique anatomique, mécanique, qui peut être corrigée hyper facilement en mettant davantage de supination au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire de tourner un petit peu plus l'avant-bras vers l'extérieur, c'est-à-dire la paume davantage vers le bas, en amenant finalement le quatrième et cinquième doigt davantage par un gros moteur qui est le biceps, qui tourne l'avant-bras vers l'extérieur, plutôt que de tirer sur les doigts cubitaux, c'est-à-dire l'annulaire et le cinquième doigt, le quatrième et cinquième doigt, pour accéder aux clés. Et là, on voit qu'elle le fait systématiquement. Là, son annulaire est tendu pour accéder aux clés parce que la voûte est trop éloignée de la clarinette, parce que l'avant-bras est trop en pronation. Et le lien avec le pouce, c'est que si le pouce n'est pas bien ouvert au niveau de sa première commissure, eh bien, l'avant-bras peut rester un petit peu bloqué en pronation. Voilà, je vais essayer de le traduire autrement. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas utiliser le langage anatomique. A minima, pronation, supination. Supination, c'est quand vous avez la paume vers le haut. Pronation, c'est quand vous avez la paume vers le bas. Donc c'est vraiment une rotation, entre guillemets, de l'avant-bras. Pronation, paume vers le bas, comme si vous preniez. Et supination, paume vers le haut, comme si vous souleviez. Pronation, prendre. Supination, soulever. La position de la clarinette veut que les deux avant-bras soient en pronation. Mais dans cette position de pronation, il peut y avoir plus ou moins de sollicitations des muscles pronateurs qui vont amener l'avant-bras un peu plus en avant. Et là, on voit très bien un petit doigt qui a même tendance à se relever à droite. On l'a pas vu, il est sorti de l'image. Voilà, un petit doigt, là, il est à nouveau tendu. Si vous revenez en arrière, vous verrez qu'il est en hyper-extension également. Et donc, cette tendance à l'exagération de la pronation qui vient tout simplement du fait de porter son instrument et de mettre plus de tension au niveau du pouce, fait que cela éloigne le quatrième et cinquième doigt des clés. Et pour accéder aux clés, la musicienne va tendre ses doigts. Et du coup, elle se trouve sur des extensions de 4 et 5e doigts qui ne rendent pas ces doigts-là aussi habiles, aussi efficaces qu'elle ne le pourrait, malgré toute la vélocité que l'on voit là et que l'on voit sur d'autres vidéos. Plus loin, sur ce même morceau, vous aviez, dans cette même pièce, vous avez à un moment donné une trille. Et on voit très bien que le quatrième doigt trille, si vous écoutez correctement, mais si vous le regardez, bah, la trille n'est pas si fluide qu'elle ne pourrait si elle rajoutait un petit peu de biceps dans son rôle de supinateur, c'est-à-dire d'avoir une tendance à ouvrir l'avant-bras vers l'extérieur. Ce sont des choses assez fréquemment rencontrées chez les clavecinistes, pianistes, les claviéristes en général, mais également chez les instrumentistes à cordes,
plus au niveau de la main gauche, évidemment, la main du manche. Mais là, on voit très très bien cette tendance à la pronation des deux avant-bras, ce qui, en soi, ne pose pas de problème au niveau musical. Je ne parle pas là de musique, mais la musique serait mieux soutenue, plus facile à exprimer, si techniquement il y avait une optimisation. Et là, l'optimisation serait hyper facile à mettre en place. Une tendance à l'ouverture des deux mains. Ça ne change rien, si ce n'est que dans un premier temps, une petite sensation différente au niveau des appuis des pulpes, évidemment. Mais tu m'as prouvé, vous m'avez montré, en tout cas, vous, musicien professionnel, que vous étiez capable de modifier, surtout après des longues années d'expérience, de modifier ce style d'attitude assez rapidement et assez facilement, surtout lorsqu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand tout va bien en optimisation, le changement peut être très facile et très rapide. Lorsque vous avez mal, vous avez des doutes. Vous avez des doutes que de changer des éléments aussi simples peuvent faire disparaître assez facilement des problématiques. Là, vu l'extension des 4e et 5e doigts, elle pourrait se fatiguer un petit peu plus au niveau du coude, par exemple. Mais je ne dirai rien, il n'y a aucune demande, et je remercie cette musicienne, comme tous les musiciens que j'analyse, de se prêter au jeu. Et si l'on parle de la posture globale, alors il y a une belle carrure avec une petite tendance à avoir une épaule gauche un peu plus haute que la droite. Alors est-ce la droite qui est plus basse que la gauche et la gauche que la droite? Ça, on ne pourrait le dire qu'en regardant cette musicienne de dos. Et là, je n'ai pas accès au dos de la musicienne. Mais très souvent, c'est l'inverse que pensent les gens. Est-ce que l'épaule gauche est un peu plus haute? Oui, on voit un trapèze supérieur gauche un petit peu sursollicité, soit. Mais c'est très très fréquent que l'épaule droite soit trop basse à la clarinette, vu que la main droite va accéder à des clés qui se trouvent plus bas, et que ça a tendance à amener une tension plus grande dans le bras, une extension plus grande du bras, et un abaissement de l'omoplate droite. Donc attention, c'est un piège, on pourrait penser que l'épaule gauche est trop haute, mais là il s'agit bien, très probablement, d'une épaule droite un peu trop basse, et en effet d'une épaule gauche un peu trop haute. Donc la différence entre les deux n'est pas absolument à mettre sur l'épaule gauche. Et il est très 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 probable que si l'omoplate droite était mieux soutenue, que la gauche aurait moins tendance à compenser dans cette expression musicale de lever d'épaule gauche. Voilà, ça c'est hyper clair. Je trouverai une vidéo qui pourra expliciter ça de manière plus flagrante. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer des liens vidéo à analyser. Que penses-tu de cette histoire de quatrième doigt? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, d'avoir des extensions, quel que soit ton instrument, des extensions involontaires ou difficiles à corriger, parce qu'il ne s'agirait surtout pas de le corriger par le doigt, mais bien par le bras? Si tu as aimé, mets un like évidemment, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu veux en savoir davantage. Laisse-moi des commentaires et dis-moi ce que tu penses de ce quatrième et cinquième doigt te concernant ou concernant cette vidéo. On se retrouve très vite, à bientôt, ciao.